Bonjour à tous et à toutes, je suis Alice et bienvenue pour la suite de Nox, ce petit RPG hack and slash qu'il est bien. Et oui, ça chie lui, il est bien. La dernière fois, dans cet épisode qui a duré 1h15 et où je me suis rendu compte un petit peu tard qu'il y avait des problèmes de son, notamment au niveau du volume de mon micro, parce que je suis une grosse tanche en termes de mixage sonore, nous avons fait un gros donjon. Dans lequel, je vous rappelle, nous devions explorer les tombes, enfin une tombe dans lequel il se passait des choses étranges et maléfiques. Nous avons rencontré la grande méchante du jeu, nous avons battu un premier demi-boss assez chiant, pas complexe mais chiant. Et un petit peu plus loin, après un dédale où j'ai perdu 5 minutes pour trouver une clé, nous avons battu un second demi-boss et nous sommes ressortis. Et le chapitre 5 que nous allons faire maintenant, c'est l'attaque des ogres de Brian. Si j'ai bien relu et bien réécouté ce que j'ai enregistré, où est mon journal de quête? Voilà, les femmes de Brin, donc l'attaque des orques de Brin, parce que on les a dit, hey voyageurs, s'il vous plaît, les orques ont kidnappé des femmes et ma sœur, s'il te plaît, allez, va les sauver. Il n'y a pas de temps à perdre, mais... Voilà, mais moi en fait, ce que je voudrais, premièrement, vous l'avez peut-être vu, c'est que j'ai beaucoup, hein, je peux encore le dire encore une fois, beaucoup, d'objets. Pourquoi celle-là est... Ah, c'est parce que oui, alors le code couleur. Le code couleur, ça je l'ai peut-être pas dit. C'est que... on arrive à la moitié. La moitié de la résistance est jaune. Je crois qu'à partir de 3 quarts du quart de résistance, c'est rouge. Et après, c'est cassé, c'est... ça disparaît. Donc il faut que je trouve un marchand pour pouvoir réparer, vendre mon merdier. Tout ça. Ah, ça commence à se battre. Ah, ça commence à se battre. Oh oh. Ouais. Oh non. Oh non. Non. Ok. Je veux bien le jeter. C'est bon, j'ai compris. J'ai un peu trop de bordel. Je sais. C'est le bouclier. Bon. Un bouclier. Deux boucliers. Je peux prendre. Je peux pas le prendre. Allez, un troisième bouclier, juste parce que c'est vous. Je peux le prendre. Merci. Oh mon dieu. Mon dieu, elle est tellement belle. Ouf, elle est massive. Alors surtout que j'avais trouvé cette superbe hache qui me fait actuellement 32 dégâts. À 34 quand même. Pas très solide. Ah, ça sera plus pour de la revente. Attends, elle zappait son poids, son truc. Ouais, donc on va zapper ça. Ah mais il y en a deux. Ah bah non. Est-ce que Jean-Mi, est-ce que tu vends des trucs? Bonjour voyageurs. Si vous allez en direction du nord, je tiens à vous prévenir amicalement des risques que vous prenez. Nous avons été postés ici afin de prévenir les attaques des ogres. Un grand nombre de ces créatures vient de détruire le pauvre village de Brin au nord. Ok. Eh ben merci pour votre ah bah bien le village de Brin. Bah c'est génial, c'est là où je dois aller. Et bah c'est parfait, du coup on va aller là. Mais ouah, ça fait max de dégâts, mais ça picouille un peu quand même au niveau de la résistance, ça. Oh merde, bonjour. Je me suis dit, attends, et paf l'attaque. Alors aussi j'ai augmenté un niveau, ou deux, je sais plus, j'ai l'œil du loup qui me permet de voir dans la nuit. Œil du loup qui est juste là. Alors, j'avance doucement parce que là je sens que le jeu est en train de me dire fais gaffe copain. Putain mais même les loups quoi. Même les loups. On explore toujours un peu. Attention. Boum. Coup de boule. Zidane. What? Genre les souches d'arbres, vraiment. Les souches d'arbres, très bien. Donc retenez-le. Les souches d'arbres, ça contient des objets.
Je ne sais pas qui, je ne sais pas quoi. J'ai vu ça, je l'ai vu. J'y vais, j'arrive. Bienvenue à Brun. Ah, parfait. Ah, ok. Ouais. C'est quoi ça? Simple plan cuivre. Je m'en fiche royalement. Moi, ce que je voudrais, c'est surtout un marchand. Ouh là 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 là. Ouh là 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 là. Eh ben, je crois que je vais devoir me battre. Du coup, une sauvegarde rapide et puis on y va. Ouais, je vais devoir me battre. Ah, je me suis raté. C'est moi. Je me suis raté. Excusez-moi. Messieurs, dames, bonjour. Arrêtez de combattre. Arrêtez, messieurs, dames. Messieurs, dames, les orques. Ah, je me suis pris des dégâts de feu. X. Pensez à prendre des potions qui ne me soignent plus. Ah, arrête d'aller dans le feu. Qu'il est con. Vous êtes un petit peu flex, monsieur. Tout va bien. Les ogres viennent de s'enfuir en emportant le précieux manteau de mon père. Si je ne peux pas le récupérer, il sera anéanti. Il doit rentrer sous peu. Je vous en prie, gentil seigneur, aidez-moi. Les ogres qui ont pris le manteau sont partis vers les docks. Pourriez-vous accepter? Oui, j'arrive. Par contre, toi, tu me pousses pas. Tu ne me pousses plus. Personne ne me pousse. C'est clair. Shuriken, je prends. Ouais, alors par contre, si le jeu il me dit attention au feu, arrête d'aller vers le feu. J'aimerais cependant trouver, hein, je sais que c'est dur, mais j'aimerais trouver une personne qui puisse faire de l'achat-vente. Bonjour. Ah, monsieur. Oh, toi. Personne ne vous fera de meilleur. Parfait. Alors, toute cette partie-là, je vais la skipper parce qu'il y a beaucoup trop de choses à réparer. Mais je vous reprends dans quelques secondes. Toi-même, tu connais YouTube et le montage. A tout de suite. Voilà, je vais tout revendu. Tout ma merde. Du coup, je vais en profiter pour parler un petit peu avec tout le monde et faire la carte de cet endroit. Buvez un verre, étranger. Les ogres ont enlevé nos femmes et ils nous ont laissé le cidre. T'es marrant, frère. Je me sens pas très bien. Va vomir. Ouais, je fais aussi un petit peu d'exploration, c'est pour me repérer. Arrête d'aller dans le feu. Ah, d'accord, ok. Oui, c'est vrai que j'ai expérimenté ça tout à l'heure d'ailleurs. Là, je peux pas y aller. Pourquoi? Ah, ça se détruit automatiquement, ok. Contact du feu. Vite, sortez les femmes et les enfants d'abord. Juste pour de la thune, très bien. Eh ben, ok. Ça, j'ai pas tout exploré. Je sais que c'est des pommes, de la verdure, tout ça, tout ça. Rien de bien ouf. Faites la vie de votre vie, hein. Bon, ça, je ramasse quand même. Là, j'ai exploré. Je n'ai pas exploré ici. Donc, je vais y aller. Alors, il y a un mort. Ça brûle. Voilà, parfait. Et ça brûle au niveau du comptoir où, semblerait-il, il y a un coffre. Et je veux bien le coffre. Là, il n'y a rien du tout. Je peux pas aller de l'autre côté, s'il te plaît. Non. Il n'y a pas de porte. Ok, donc ça c'est bon, c'est exploré. Ah bah il y a ça. Merci. Là il y a que dalle, évidemment. Là il y a que dalle. Là il y a une porte. Ouh, ça a l'air de bien se passer. Là il y a un coffre.
où se trouvent les shurikens. Faut vraiment que je les utilise, ces shurikens. Soit je les utilise, soit je les vends. Au choix. Là, ça mène à une maison qui est en feu. Donc on va essayer de faire en sorte qu'elle soit moins en feu. Oh, je vérifie s'il n'y a rien. J'ai appuyé sur la mauvaise touche. C'est moi. J'ai fait n'importe quoi. Excusez-moi, c'est moi. Ah oui, il y a des petites flammes et tout. Mais il n'y a rien en fait ici. Il n'y a que dalle. Donc cette maison peut brûler, je m'en fiche. Royalement, peut-être qu'il y a une quête genre... chevalier, vous avez éteint toutes les flammes. Bravo. Combien de temps avez-vous perdu? Il vous faut une clé d'or. Je l'ai eu. Non mais je l'ai eu. J'ai attrapé la clé. Et je découvre cette rondache en fer. Cette rondache en fer qui a une capacité de défense nulle. Donc cette rondache en fer que je vais laisser là. Il y a un truc qui fait du bruit, qui est en train de m'énerver. Va falloir arrêter, monsieur. Frère, tu peux arrêter. Frère. Ah, d'accord. Ok, j'ai compris. Excuse-moi. J'ai compris. Ok, les gars, j'ai compris. Faut que j'y aille. Je sais, ça va. Je sais pas où sont les docks, mais je vais y aller. Je vais trouver. Bon, j'explore tout doucement. Hein. Là, je sais que. D'ailleurs, on l'a fait pas. Hein. Ça souffre. Avant que ce soit. C'est ceux-là. Ok. Cette texture un peu laide, c'est les souches d'arbres qui s'ouvrent. Les docks, ça doit être de ce côté, je suppose. Excusez-moi, monsieur, dame. Aïe. Oh. Eh hey. Excuse-moi, ça c'est un objet de quête. Attends, y a un puits quand même. Merci. Excuse-moi, il y avait un objet de quête. Je te l'ai volé. Enfin, je te l'ai droppé même. C'est même pas du fol, c'est du drop. Elle était là, Mathilda. Mathilda ? Oh, je vous remercie infiniment. Je vous en prie, acceptez ceci en signe de ma gratitude. D'accord. J'ai obtenu de l'XP, de l'or, et puis c'est tout. Ok, et ben c'était pas super incroyable. Mais on avance, hein, on avance. Alors, je voulais aller au sud. Vers les docks. Et bah. Ah bah c'est. Bah d'accord, bah c'était le. Voilà, c'est. Non mais je peux pas nager. On m'a dit non. Tu peux pas. Donc il faut aller par là. Heureusement qu'il y a de la bouffe un petit peu partout. Là, il y a une grosse caisse. Avec rien. Et là, il y a de l'or. Et donc, ce chemin que je suppose être route de Grok Trok voyageur prenez garde, je ne sais même pas si je l'ai prononcé comme il faut. C'est le moment où je vais faire une vraie sauvegarde. Voilà. Alors, attention, j'enregistre ça tellement longtemps après avoir commencé ma partie sur ce jeu. Allez, go! For the win! Comme dirait l'autre. Je peux la jouer full coup de boule. Hein. Alors je ne ramasse pas les haches parce que c'est inutile. Je l'ai retenu. D'accord. Il n'y a qu'un feu. Et ça c'est une grotte par contre. C'est en effet une grotte et aussi une nouvelle zone. Du coup, c'est la sauvegarde.
Mais où suis-je? Mais où suis-je? Oui, je suis au hameau de Brun. Non, d'accord, il n'a pas voulu me changer de... C'est quoi ça? Il y a un truc. Il y a un truc dans cette grotte. Je dois aller dans cette grotte. J'ai pas envie d'aller dans cette grotte, moi. C'est quoi? Potion, ok. Alors si je peux faire les petits pas comme ça. Je vais me faire défoncer, j'aime pas les grottes. Oh! Ah mais c'est que ça! Attendez, regardez. Hop là, vision de loup! Ça ne sert quasiment à rien vu que les ennemis sont... Non mais les araignées ça va, je maîtrise. Ami arachnophobe, je suis désolé. C'est le jeu vidéo. Voilà. Non mais il y a un moment, arrêtez de vous foutre de moi. Non mais s'il vous plaît. Oh non, les embranchements. Allez. Ok. Excusez-moi. Non mais excusez-moi. Hein. Mais non. Ah mais c'est un nid. Ok, j'ai compris. Bonjour. Ouais, votre collègue était très sympa, sachez-le. Oh non, les chauves-souris. Vite. Voilà, c'est la fin de la grotte. Ah, alors, j'ai vu un loup. Il y a une pierre. C'est un... Ça ressemble à un marécage. Bonjour. Coucher le loup. Là, y a rien. Ribbit. Ça ressemble beaucoup. Bonjour. Ça ressemble vraiment beaucoup. Bonjour, madame. Excusez-moi, madame. Bonjour, madame. Au revoir, madame. Bonjour, madame. Au revoir, madame. Ok, je suppose que je suis arrivé chez les. Oh, de l'argent. Ah, les petites animations là sur les coffres qui s'ouvrent, je trouve ça super beau. Je pense que ça méritait d'être noté. J'avance pas vite, je sais. Excusez-moi, mais j'explore. Excuse-moi, loup. Ouais. Ouais, merci loup. Rappelle-moi ce sort, c'est quoi ça? Cri de guerre, ok, et ça c'est oui. Parce qu'il faut que je me ressouvienne de mes sorts, de mes compétences. Bonjour. Mais il n'y a que des femmes trolls en fait. Ça, c'est une femme troll ou orc. C'est orc. On remarquera que la grenouille a été stun. Oh, c'était de la TNT, j'ai pas vu. Oh, le con. Oh, ça m'a fait peur. Oh, l'idiot. Oh, le loup, il a pris pour toi. Remercie-le. Ça veut dire quelque chose, ça? Voilà, attends, c'est bon. Je me fais pas avoir. C'est bon, je compris. Attends, comment des trolls ont de la TNT? Je ne comprends pas. Je n'arrive pas à me faire à cette idée. À... C'est un petit peu trop technologique pour eux. Oh là, cette chance! Non mais, excuse, madame, s'il vous plaît, arrêtez. J'ai déjà eu énormément de chance de me rattraper sur une de vos collègues. Coucher. C'est bon, j'ai bien vu, y a pas de TNT, y a pas de TNT. Je prie pour choper de bouffe, par contre. Ah, merci. Petite pomme. Toujours utile. Bon, ne mangez pas trop de pommes, les enfants. Ça, par contre, c'est un boss. Ça est. Eh, ça, c'est... C'est une zone de boss. Alors, on pourrait croire que... Mais, semble-t-il... Que... C'est un élément scénaristique où je vais sûrement mourir à un moment. Non, mais, arrête. Oh! Ah bah cool. Ah bah c'est super sympa.
C'est quoi ça? C'est une coiffe? Oh, je la prends. Oh, dans le doute. Ok, donc il va... Ouais, oh! J'ai cru qu'il avait résisté. Je me suis dit, ouais, il résiste. Il prouve qu'il existe. Ok, donc là, je suis perdu. J'espère que vous avez fait un plan chez vous. Oh non. Oh. Allez. C'était pas un passage secret. Non. Bon, bah, c'était là où je devais aller. Bon, et bah, très bien. Hop, en plus, c'est la petite musique te disant. Eh, dommage. Ah, c'est ballot. Ah, c'est ballot ce qui vient de t'arriver. Du coup, là, si je recharge, ça me fait quand je tombe. Exactement. Merci, le jeu, pour ça. J'analyse un petit peu le sound design. Ah. Non, excuse-moi. Mais arrête. Arrête. Bon, de l'or. Jusque là, ça va, c'est classique. Une araignée. Classique. Deux araignées. Classique. Ah, pour le moment, j'ai plus peur de ce qui va m'arriver que de ce qui arrive. Ah, les sangsues. Ça, par contre, nouveauté. Ça faisait un petit moment que j'en avais pas vu. Tu as pris par derrière, là. Et c'est pas gentil, arrête. Là, c'est quoi? C'est une planque. Ça, c'était une araignée. Ok. Du coup, il va falloir que je re-explore. Je suis en train de me dire, il va falloir que je re-explore l'endroit des trolls. Ça va un peu plus m'énerver. Hop. Hop. Je remarque que ma hache est déjà à moitié pétée. Quelle est cette sorcellerie? Alors que vous entendez des bruits de portes qui claquent. Sûrement. C'est même fort probable. Je tiens à m'en excuser. Vous en faites pas si ça persiste, je vais aller crier sur les gens. Je vais perdre une hache. Ce qui signifie que je vais mal jouer. Ou alors je trouve une meilleure épée. Dans quelques instants. Bah voilà, suffit. Oh, ça me perd l'hypopète. Il y avait un loup. Il y avait un loup. Un loup. Un ours. Gros ours. C'est un très gros ours. Ouais, j'ai eu un petit peu peur. J'avoue, j'ai failli me faire un kéké culotte. Non mais je t'ai cramé. Oh, je vous ai cramé. Excusez-moi. Je vous ai cramé. Bon, par contre, ça commence à m'énerver les portes. Je vais me faire une petite pause là, le temps d'aller voir pourquoi il y a des portes qui claquent. Et je vous reviens dans un instant. Voilà, le problème a été réglé. Et ça a fait penser que je vais changer d'équipement. Je vais me mettre des petits shurikens. Je pense que ça peut tout changer dans ma stratégie. Par contre, remets-moi mon bouclier. Voilà, shuriken et bouclier. Quand même. Minimum de classe. Ah, là, il y a un truc. 6 champignons pour la vie. Hop là. Regarde ça. Hop là. Regarde ça. Hop là. Entre les deux yeux de la chauve-souris.
Oula. Oula là, là. Alors là, ouf, je viens de voir un grizzly. Aïe. Coup de boule le grizzly, coup de boule. Ah, il y a sa petite sœur. Par contre, j'aimerais savoir pourquoi le jeu met un petit peu de temps à charger. Hep, hep. Coup de boule. Allez. Mon jeu est pas super petit en ce moment là. Ah ok. Ok, là c'est un piège. Et là c'est chez nos amis les baits. Donc je ramasse. Ça c'est très 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 clairement la suite du jeu. Putain, encore des couloirs. De plein de couloirs. Partout des couloirs. Partir à droite, hein, parce que je l'ai vu. Parce que je l'ai vu. Ça se déplace loin. Hop. Toi, Shuriken. Alors, le Shuriken, on va peut-être éviter, par contre. Je pense que c'est pas une... C'est pas la meilleure arme sur le long terme. Bonjour. Par contre, j'ai un bâton. Ah non. Je vide tout à la limite. Peut-être arrêter de jouer avec ça en fait parce que c'est pas utile. Mais en fait c'est nul. Bah sinon. Ouais, je pense qu'on va changer de méthode parce que là c'est un peu. C'est... Ouais. Et de l'autre côté, il y avait quoi? Hein? Qu'est-ce qu'il y avait de l'autre côté? Quand même, moi j'aimerais bien savoir. Hein. Pendant que je vide mes shurikens. Je vais en prendre une, quand même, dans le doute. On sait jamais. Oh. Voilà. Coup de boule, coup de boule. Hop là. Ah bah il y avait de la TNT. Hein. Ah non, je suis passé sur... je suis passé sur quelle arme là? Je crois que je suis passé sur des trucs un petit peu plus féroces. Les shurikens de flamme, ouais. Oui, on va passer là-dessus. À la limite, je vais passer sur celle-là. Voilà. Ah, c'est une arme à deux. C'est une arme à deux mains. Je ne peux. Ok, je peux rien faire. Eh ben, prenons le risque. Oula. Ah oui. Alors, grosse arme à deux mains. Par contre, je ne peux rien faire pendant une bonne seconde. Si je me rate, je l'ai très profond quelque part. Allez hop, déjà ça. Ça sert à rien. Oh si, ça. Oh, ça l'effraie. Ça l'effraie. Alors ça, c'est pas mal. Vas-y, viens, viens. Parfait. Vu comment ça attaque et que je n'ai pas de bouclier. Et surtout parce que ça met un peu de recul. Oh là là, il y en a combien? Combien des saletés comme ça? Ouais, alors attends, je vais les dégager. Voilà. Ça, je la sens pas.
Qu'est-ce que je disais? Ah ouais, ça met 4 ans. Et il y a un mécanisme. J'entends ça. Ah non, ça ne le fait pas reculer. Ouais. Mensonge et calomnie que tout cela. Voilà, sale. Je suis pas rassuré. Meurs. Oh, il y en a 3. Oh, il y en a 4. Allez. On patiente, on temporise. On mange des pommes. Parce que pourquoi pas. Allez, venez. Venez. Viens. Ils sont passés où les autres? Voilà, viens. Allez hop, et un. À 35, quand même, c'est pas une arme que j'utilise tous les jours. Et je suis empoisonné. C'est quoi ma touche? C'est ça. Heureusement que j'ai beaucoup de antipoison. Alors, ça tombe bien. Alors, et de l'or, et un antipoison. Oui, je disais, un mécanisme. Oh là là, qu'est-ce que c'est que cette... C'est pas bien, cette arme-là. Alors, il y a des lits. Il y a un coffre. Ah. Manteau de guérison. Oh, attends. Attends une seconde. Manteau de guérison. T'es en train de me dire que ça soigne? Ce serait cool. Niveau 2. Ça a une valeur de 32. Et moi, ce que je porte, c'est une valeur de combien? 31. Et bah écoute. Hop là. Et en plus, j'ai du soin. Niveau 2. Écure bronze en griffe de dragon. Alors, ça, par contre. Protection contre le feu. Mais tout va bien. Allez hop. Paf. 3 protections. Je vais. Enlever ça, c'est nul. C'est très nul. Ça m'ennuie de gaspiller ma hache, mais bon, dans le doute, j'ai quand même une épée que j'aurais dû réparer. Je vais me mettre l'épée pour le moment. Je vais garder cette épée. Ok, là y a quoi? Là y a rien. Et des trucs et des machins. Regardez ces belles flammes. Ça, c'est un mécanisme qui fait quoi? Ça fait bien quelque chose, ça, non? Il n'y a rien d'autre, ok. Donc, à part me faire peur avec des scorpions, il n'y a rien. Et qu'est-ce qu'il y avait tout au-dessus? C'est-à-dire juste là. Oh! Bah oui. Mais quelle saleté! Par contre, mon jeu est en train de m'énerver, je le remarque. Oh, par derrière, petite spire. Donc là, c'est le chemin que je dois prendre. Mais du coup, qu'est-ce qu'il y a tout à droite? Vous noterez que je n'ai plus beaucoup de soin. Là, j'ai vu qu'il y avait un truc où tout le monde meurt. Du coup, moi, ça me fait peur. Ok. Je visualise où je dois aller. Ok. J'y vais en douceur. Pour le moment, tout se passe bien. Et c'est tant mieux. Ah, il y a un truc. Oh là là. Je me la bouffe. Ouf.
D'accord. C'est tout? C'est tout ce qu'il y avait? Non, il y a forcément autre chose. Il y a une potion qui est cachée. Aïe. C'est tout? Je crois que c'est tout. Bon, et ben, très bien. Grosse zone juste pas devant moi depuis le début. Très très bien. Donc c'est ça. Ok, moi j'accepte. Je vais faire une vraie sauvegarde cette fois-ci. J'essaye de me mettre dans l'ambiance. Donc m'en voulez pas s'il n'y a pas trop de réaction. Ne réagis pas. Voilà. Ok, ok. Donc là il y a des pièces, il y a des trucs, il y a une porte. Ok, si je fais tout le tour, en faisant attention à ne pas me faire voir. Donc là j'ai une première porte. C'est pas ce que je voulais faire. Hop là. Hop. Là, ah d'accord, je vois. C'est pour les grilles. Habile. Ils sont mangés ça. Habile, habile. Et en même temps, classique. J'aurais dû le 2. Excusez-moi, j'ai paniqué. Non, il faut mourir maintenant, monsieur. Ou madame, ou qui que vous soyez. Qui que vous soyez, mourez. Dans le respect de chacun. Hop là. Je récupère quand même un petit peu de soins, un petit peu de tout. Une caisse. Il n'y a rien dans cette caisse. Ok. Voilà, on y va. Petit boss? Allez. Bon. Bah voyons. Bah oui. Non mais viens. Voilà, meurs. Pendant que je essaye de récupérer ma vie. Yes, les shurikens. Les shurikens, ça va être possible que je les revende. Vu que je ne m'en sers pas du tout. Il n'y a pas un seul objet de soin ici, c'est nul. Bon, bah, je vais prendre dans mon stock de pommes. Voilà. C'est la suite. Oh bah dis donc, un piège. Oh bah dis donc. Bah c'est tout. C'est fini? Non? Faut que je trouve un mécanisme. Ok. Faut que j'aille en bas. Faut que j'aille en bas. Et bah allons en bas. Bonjour. Ah mais il y a de la viande, parfait. Est-ce que vous avez aussi des potions? Oh, son cadavre est planté. Oh, le cadavre, il est planté. C'est marrant, mais c'est planté. Oh, je me suis raté. Nul.
Nul quoi. Vous avez pas une petite potion s'il vous plaît? Non. Non, on connaissait pas ça. Les potions, c'est des cailloux. Ah. Connaissent les pommes. Oh, il y a une porte. Et un chemin. Ah, si, si, ça c'est quoi? Bonjour. Ah, ça y est, mon épée commence aussi à être en fin de vie. Commence à être dur. Oh, un pichet de cidre. C'est quoi le pichet de cidre? Ah bah oui. Attention l'abus d'alcool. Bon. On va prendre deux cidres. C'est bon, j'ai ouvert là. Ah bah oui, je l'ai ouvert en fonçant dedans. Tu m'étonnes. Oh, c'est des boss fights ça. On court. Ah. Ok, je suis dans le pire des états du monde et il faut que je monte. Je vais m'arrêter là pour maintenant. De toute façon, vous aurez l'épisode au complet. Vais-je réussir avec mon équipement qui est qui commence un peu à se casser la gueule? Je ne sais pas. Faites vos pronostics actuellement dans les commentaires et puis on se retrouve dans quelques secondes. À tout de suite. Bien, mesdames, messieurs. Alors, actuellement, ce que vous voyez, c'est la suite. Une semaine après l'autre. Parce que j'ai été pas mal occupé. Mais c'est pas grave, on va continuer. Faut juste que je me rappelle que mes armes actuellement sont dans le jaune, c'est-à-dire pas loin d'être cassées. Juste checker quand même. Est-ce que je vais y arriver? Je ne sais pas. Bon, tout va bien se passer. Moi j'y crois. Oh shit. Voilà, hop dans l'eau. Attendez. Ah oui, c'est vrai que c'est l'autre touche. J'ai oublié, c'est l'autre touche. Je suis un peu con. Excusez-moi, je suis un peu bête. Hein. Ah, je crois savoir où je suis, cependant. Et si j'ai raison, j'ai fait tout le tour du souterrain pour revenir à l'intérieur du campement, ce qui fait que je vais potentiellement mourir à cause de loup déjà pour commencer. Petit loup. Oh putain, il y a des loups. Là, il y a des loups, par contre, ça commence à m'énerver. Mourez tous. Il est allé au ma touche de potion. Meurs, putain. J'espère que vous appréciez ces clics, hein, ça vous a pas manqué. Un petit peu de bouffe, s'il vous plaît. Ah bah parfait. Petite potion. Je suis assez juste en tout. Toi, je sais que t'es là. Meurs. Est-ce que je vais te voir? Attendez, je sais qu'il y en a un là. Si je me mets comme ça. Je sais très bien que une charge, c'est largement suffisant. Ok. Je suis, comme on pourrait le dire, dans une mauvaise situation. Ah, le seul moyen de réussir là, c'est de bourrer l'attaque spéciale. C'est-à-dire que je vais devoir beaucoup attendre. Environ 5 secondes à chaque fois.
Cependant, moi, ça me va, je suis assez rapide comparé à eux. Il en reste une, je peux me la faire avec mon arme. Non, il en reste deux. Ok. On y va en douceur. Parfait, j'ai visé le mur. C'est pile poil ce que je voulais faire. C'est pile poil ce que je voulais faire. C'était mon plan depuis le début. On check tout. J'espère que vous appréciez ces clics. Hein. Les clics. Ça m'avait presque manqué. Il n'y a rien là. Ici, il y a une petite bière. Je crois que j'ai un max de bière d'ailleurs. Je vais utiliser tous mes petits objets. Même mon steak. J'avais oublié que j'avais du steak. Et j'ai des champignons aussi. Mais les champignons, je crois que ça me donne des mauvais effets. Ouais, effet secondaire désagréable. Attends, combien de thunes? 6000? Ah bah je répare tout. Ok, donc ça c'est un bâtiment de complet. Attention à ne pas exploser. Deuxième bâtiment. Oui, c'est ça, je suis à l'intérieur de cette hutte. Enfin, de ce campement. Ok. Là, je vois à peu près où je suis. Oh là là. Alors attention parce qu'il y a tout et n'importe quoi ici. J'ai pas un bâton normalement. J'ai pas de bâton. Je récupère quelques objets, m'en voulez pas. Attention. Non, là je veux pas prendre de risque. Ok, ok, ok. Là ça me va, là ça va, et là ok je fais tout le tour. Donc ce côté là est complet. Et normalement j'ai pas fait tout le tour à cet endroit, mais je pense qu'il y a juste un peu de forêt avec des loups. Et ces trucs là je sais toujours pas à quoi ça sert. Donc on va aller dans la grande hutte qui se trouve juste là. Est-ce que je peux cependant ouvrir cette porte? Ah, je me suis fait repérer. Je me suis fait repérer. Attends, est-ce que je peux tricher comme une grosse... Je peux complètement tricher. Je peux tricher. Si je me mets pile pile poil. Ah ouais, je vais ouvrir la porte. Impeccable. Oh non, hey. Impeccable. Vas-y, reviens. Impeccable. Bon, bah, c'est génial. Et là, je peux pas ouvrir la porte parce que je n'ai pas la clé. Ok. Vous avez pas une clé? Ah là là, c'est dans le rouge. Ok, je vais repasser sur ma hache. Petite save et voyons voir ce qu'il y a là. Ok. Ah, c'est le boss. C'est donc vous qui provoquez toute cette agitation. Vous allez... C'est pourtant bien. Ah. Ça ne sert à rien. Aïe, 100 PV et en plus il attaque à distance. Ce qui n'est pas une très bonne nouvelle et en plus il y a deux sbires. Je vais me débarrasser des sbires. J'ai... Ah putain. Ok. Tu n'as pas réussi à sauver les demoiselles de Brun. Les ogres t'ont trouvé et se sont délectés de la tarte qu'ils ont fait avec ta chair. Ok. Ok, ok. Oui, vous le voyez, ça fait que je suis sale. Ok, je vois la stratégie à adopter. Il faut que je tue les deux sbires. Que je sorte pour la tirer à l'extérieur. Et normalement, ça devrait bien se passer. C'est donc vous qui provoquez. Ça va bien se passer, ne t'inquiète pas. Comme dirait l'autre. Ouais. Regardez, hop, celle-là. Déjà, et je peux pas sortir. Je ne peux pas sortir, très bien. J'attends. Voilà, et là je sors. Et là normalement, c'est bon. Je vais avoir un plus de facilité à le battre.
Du coup, j'espère qu'il aime les parties de chat. Hop, on se prépare. Hop. Pour ce qui est de ma santé, cependant, c'est une autre paire de manches. Ok. Il suit pas, il est retourné là-bas. Il est retourné là-bas. Est-ce que j'ai cassé le boss? Ok. Hop, hop. Si je tourne, il m'attaque pas à distance, tiens. Donc voilà. Appréciez le combat de boss. Voilà, je vous laisse apprécier. Là. C'est parfait. C'est, vous savez ce que ça manque quand même? D'accord. Est-ce que c'était un peu nul? Un petit peu. Alors, harpon. Vous pouvez lancer un harpon sur votre adversaire. Si il est touché, vous pouvez le traîner jusqu'à vous afin d'attaquer sur. Mais c'est génial. C'est très bien. Vas-y, fais voir. Oh! Potion shuriken d'étourdissement. Alors, je vais pas utiliser ma potion tout de suite. Voyons voir mes stats. Je peux porter un peu plus. J'ai appuyé sur la mauvaise touche, c'est ma faute. Je suis bientôt à 100 points de vie, presque 80 en force et bientôt max de rapidité. Parfait que tout cela. Et j'ai la clé de Saphir, parfait. Là, il n'y a rien à récupérer. Bon, bah, le boss il est ce qu'il est. Par contre, là, il y a une porte. Avec des coffres et des objets. Le pichet. Des pommes, parfait. Un petit peu d'or. Toujours de l'or. Et une hache d'ogre en argent de braise. Oh. Alors, je crois que j'ai droppé deux grosses armes. Ça, il faut que je la vire. Et ça. Ça, je pense que je vais l'acheter. Il y en a une que je vais jeter, cependant. Ça, je vais l'acheter. Ça me sert à rien. Celle-là, je vais la garder. Peut-être que ça vaut cher. Maintenant que j'ai la clé. Oui, il faut que je libère les demoiselles. Donc, ça, je peux ouvrir. Ok. Donc là, j'ai accès à toute la partie que je n'avais pas vue au tout début. Cependant, je crois qu'il va y avoir encore quelques ennemis. Sachant que... Voilà. Excuse-moi, poteau. Non, je vous ai vu, monsieur. Je vous ai vu. Non, j'ai pas envie. Non, j'ai pas envie. Non, j'ai pas envie. Est-ce que ça marche? Ah oui, d'accord. Bon, bah, c'est nul. Eh, on joue au chat. C'est marrant. Est-ce que je vais me bloquer? Je vais me bloquer. Oh, j'ai réussi à bloquer avec le cadavre de l'autre. C'est particulier, ça. Là, petit problème de passwending ici. Vas-y, viens. Ah, comme quoi, cette compétence est très, très utile. Faut que j'essaie de me repérer après dans tout ce que j'ai exploré. Voilà. Donc, là... Salut. Ça va? Tranquille. Vas-y. Ok. Non, mais viens. Parfait. Bon. Voilà. Ah, et reviens là. Je crois qu'il y en a un qui est bloqué. Monsieur, vous êtes bloqué, je crois. Monsieur, s'il vous plaît. Il y a un spawn quelque part. Monsieur, vous êtes bloqué. Écoutez, je peux vous aider. Laissez-moi vous taper. Attends, ou alors. Non, mais monsieur. Je me suis tapé contre le mur. Idiot. Trou duc. Heureusement que j'ai récolté un maximum de pommes qui sont dans mon inventaire. Je vais déjà hop, là, en profiter pour ça. Et voilà. Alors, là, il y a un levier que je ne vais pas utiliser pour le moment. Parce que là, mon but, c'est de faire tout le tour de ces endroits. Là, je sais, ouais, il y a un ennemi encore. Est-ce qu'il peut venir, s'il vous plaît? Jean-Mi, le troll, l'ogre. C'est un ogre. Je vais retenir ce nom. Je vous jure que je vais retenir le... Ah, il y a Madame Troll aussi. Excusez-moi. Oui, j'ai
un petit peu entrer dans votre cabane. Voilà, excusez-moi. Bon, Jean-Mi, j'ai un petit peu tapé ta femme. Tu m'en veux pas. Je m'excuse. Le jeu, il a dit que j'ai le droit. Salut, Jean-Mi. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a... Ça, je peux les casser, j'ai reconnu. On a... Oh, je peux casser ça. Il y avait des sangsues dedans. Ce qui est pas très hygiénique. Un petit peu de steak. Alors, de ce côté, qu'est-ce qu'on a? On a... Excusez-moi. Hein. On a... Donc là, c'est la suite. On va pas y aller tout de suite. On va explorer déjà où est tout ce côté-là. Voilà, merci. Coup de boule. Là, on a des objets... Un petit coffre avec une potion, parfait. Les potions, faut que j'en reprenne énormément. Qu'est-ce que c'est une coiffe? Cuir des étoiles, c'est marrant ça. Qu'est-ce que ça m'apporte? Lueur, une protection basique sur votre tête. Oh, intéressant. Guerrier et druide 73. Ma coiffe que j'ai actuellement, elle m'apporte quoi? Elle m'apporte. 76, mais pas grand chose. Ah, je perds 3 points, mais. Ah oui! Ah oui, je suis. Je suis voyant. Je suis voyant. Petite déco, voilà. C'est... Moi, j'aime bien, c'est... je trouve ça drôle. La porte, elle est là-bas, de cet endroit. Il y a un levier. Excusez-moi. Merci. Ah, y a... ah, j'ai trouvé le camp des femmes, ok. Mais je vais d'abord aller de l'autre côté, du coup. Là, il y a quoi? Il n'y a rien. On casse ça. Voilà, on casse ça. Rien du tout, rien du tout, et rien du tout. Paf, dans le dos. Oui, mesdames, écoutez, je vous libère dans 5 minutes. Voilà, je vous demande de rester 5 minutes tranquille. Voilà, restez 5 minutes, hein. Faites de la marche, vous avez raison. Mais 5 minutes, promis. Bon, peut-être un peu de plus, hein, en fonction de ce que je trouve, mais ouais, 5 minutes. Ah, Jean-Mi, Jean-Mi. Merci, Jean-Mi. Je sais qu'il y en a un autre. Ah, oh, je l'ai vu. Ah, oh, je les vois. Ah, oh, je les vois. Alors, regardez ça. Hop. Hop là. Non, j'ai pas tapé ta femme. Tu m'enfles. Quoi? Oh, oh, surprise. Surprise. Ah. Ah, attendez, il se passe un truc. Merci. Ah, oh, il y a des champs à gueule. Et il y a des pommes. Par contre, ouais. Excuse-moi, je vais peut-être casser ma hache. Donc, tu m'en veux pas. Oh là là, la chauve-souris qui a tout pris. Mais quelle saleté. Est-ce que je vais casser ma première arme du jeu? Possible. Possible, possible. Y'a rien ici. Y'a rien du tout ici. Cet endroit, je l'ai pas visité. Mais... Ah, ah, il se passe un truc. Ah, excusez-moi, madame, bonjour. Au revoir. Il y en a combien? Il y en a qu'un seul après. Ouais, il y a que Jean-Mi, numéro. Je sais pas combien. J'ai pas fait ça, j'ai fait ça. J'ai complètement fait ça. Je suis un abruti. J'ai fait ça. Je suis un abruti x2 en fait. Je suis deux fois abruti man. Oh, si ça se casse à cause d'un tonneau, j'aurais très très mal. Je tiens à vous le dire. Bon, alors ce steak, je pense pas qu'il soit très très comestible.
vu dans quoi je l'ai trouvé. Donc tout ça, c'est bon. Le côté ouest, ouest, c'est-à-dire au-dessus là, je vais aller le revisiter. Vu qu'il y avait des loups et des trucs et des machins. Et bien, voilà, il y a un loup. Jean-loup. C'est Jean-loup le loup gardien. Ok, il n'y a rien. Donc on va libérer les femmes et on va finir cette quête. Trop bien. J'espère qu'il y aura un marchand à un moment parce que je vais peut-être mourir. Alors, mécanisme. Mécanisme. Ok, mécanisme. Je suppose que c'est ouvert. Merci, c'est ouvert. Il ne nous reste plus qu'à sortir d'ici. Ok. Eh ben... Oh non. Oh non. Oh non. Oh non. Oh, tout mais pas ça. Oh, j'ai tellement bien fait de sécuriser la zone. Je suis content. Voilà, premier réflexe, sécuriser la zone. Ça, je suppose que ça ouvre tout. Ça ouvre ça. Oh, si, normalement, ça, je l'ai sécurisé aussi. Ok. Ok, et là, je me barre. Je saurai jamais ce qu'il y a là-bas. Quoique, je prends le risque. Je prends le risque de savoir ce qu'il y a là-bas. Saleté de chauve-souris. Est-ce que... Oh, attendez. Expérience sociale. Ok, le friendly fire activé sur les PNJ. Heureusement, parce que je n'ai pas envie de... Oh merde. Oh non. Non, j'ai perdu ma cote de maille. Heureusement que j'ai une deuxième cote de maille quelque part. Bon, j'ai une chemise. J'ai pas une deuxième cote de maille à un moment. Si, j'ai 7 cotes de maille. Faut que je fasse très très attention. 16 et 44, je vais repasser sur l'épée. En fait, y'avait rien. Y'avait rien du tout ici. Non, non, attendez, si. Non, rien du tout. Ok, bah je m'en vais. Bon bah voilà, fin de cette grande mission d'escorte. C'est marrant, quand elle bouge, on dirait un petit serpent. Faut que je repasse par la grotte. Faut que je repasse par la grotte. Oh, au secours. Oh là là. Là, je flippe. Je flippe un petit peu. Normalement, j'ai tout tué. C'est quoi ça? C'est une grenouille. J'ai fait une extinction. Ah, s'il vous plaît, merci. Là, il y a. Alors là, il y a un steak. Qui est là, qui traîne depuis un moment. Ah bah tiens. Du coup, celui-là, je vais me l'équiper. J'ai perdu quoi? Je sais pas ce que j'ai perdu. Attendez, j'ai lueur, anti-poison et feu. Ouais, j'ai perdu un truc, je sais pas ce que c'est. Bon. Je référerai plus tard. Ok, là je suis bien. Hein. Non, là ok, là c'est le marais. Oui. Enfin, le marais. Vous m'avez compris. Là j'ai tout exploré. J'ai tout cassé. En termes de faune et de flore. Ah, mais cette mission d'escorte, elle est horrible. Prenez un mec. Bonjour. Tu es exceptionnel. Brun t'es à jamais reconnaissant. Malheureusement, il n'est pas temps de célébrer ta victoire en compagnie de ces charmantes demoiselles. Et Cuba ne prend aucun repos. Nous devons suivre sa trace de près si nous voulons avoir une chance de mettre un terme à ses funestes projets. Merci du fond du cœur, gentil aventurier. Acceptez ceci en gage de mon estime. Tu es à présent digne de ma confiance. Et je peux donc te révéler mon véritable nom. Je suis Jean d'Or. Eh oui, je suis celui qui mena les courageux enfants de Nox sur la terre des Braves. Tous ces héros qui ont peut-être donné leur vie en vain. À moins, bien sûr, que nous parvenions à stopper Cuba. Le seul espoir de Nox est à présent le faux char de l'oubli. Il y a bien longtemps,
À cause de ses pouvoirs terrifiants, il a été divisé en plusieurs pièces qui furent ensuite réparties aux quatre coins de Nox. Tu dois à présent trouver la première, la hallebarde d'Orandus. J'espère qu'Orandus acceptera de te la confier. Après tout, n'as-tu pas été son élève? Quelle que soit la manière, tu dois obtenir cette hallebarde. Sans elle, le fauchard de l'oubli ne peut exister. Va, ne reste pas ici, passe ton chemin. Oui, c'est la fin de la quête. J'aimerais avant quand même passer un petit coup vers X. Non, je veux. Non, je peux pas avoir. Non. Non, bon. Très bien, mesdames, messieurs, merci d'avoir suivi cet épisode. Qui a été long, encore une fois. C'est toujours long, Nox, mais bon, une heure, c'est pas mal, je trouve. Si ça vous a plu, je vous enjoins évidemment à pratiquer le pouce en l'air. Ou le pouce sur le bas parce que je joue très très mal. Oui, ça peut arriver, des gens qui mettent des pouces en bas parce que tu joues comme une grosse tanche. Ça arrive. Je vous invite aussi à mettre un commentaire si vous avez des strats à me conseiller. À vous abonner à la chaîne pour ne pas rater la suite des vidéos tous les mercredis à 15h30. À me suivre sur Twitter et Instagram où je suis le plus présent. Merci à tous, bon jeu et à la prochaine pour la suite. Nox.